Angie et son église romane de style mozan. Ne dirait-on pas que je suis prêt pour mon envol? Oui, j'avais bien deviné. De droite à gauche, Claude Marpeau, Daniel Etienne, Pierrot Leroy, Francis Baldouins et Armand Barcaro. Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus qui résonnent. Et si en plus, il n'y a personne. Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Il y a tant de torpeurs, de musique antalgique, tant d'antidouleurs dans ces jolis cantiques. Il y a tant de questions et tant de mystères, tant de compassion et tant de revolvers, tant d'angélus. Les habitants d'Angers se trouvèrent partagés entre deux camps. Une moitié, animée par le docteur Strehl, signa une pétition pour que l'on conserve la tour romane. L'autre moitié soutenait l'imprimeur Camille Wilmer, qui était assombri par une ruine en face de sa vitrine et envisageait sa suppression pure et simple. La tour fut finalement détruite.
En attendant mieux, les offices religieux eurent d'abord lieu dans les locaux de la Concorde, puis dans ce hangar, là où se trouvait mon jardin. On voit cette construction au-dessus du mur à gauche. La nouvelle église en 1968. Le mur séparant l'église du cimetière fut décoré des principales pierres tombales de l'ancienne église. Pour que les Anges y soient, Anges son église romane, ses communions et processions, fin de la quatrième partie de 9.